voilà. Ah, je sens que tu es contente. Comment tu as deviné? Parce que tu es là avec le sourire éclatant. Tu sais tout, toi. Tu sais, tu montes vite ton jeu, toi. Comme tu vas. Continuons comme ça. Continuons comme ça. Rachel, viens près de moi. Tu es belle. Tu es élancée. Je vais donc te proposer un rôle de composition. Tu vas jouer au tonneau aujourd'hui. Bonne chance, tu vas voir une clé au bout de la cellule. Rien de très grave. Allez, enfin, le tout c'est d'y arriver. Allez, c'est parti. Allez, 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 Rachel. Allez, allez, allez. Alors, il y a un trapèze devant elle, il faut qu'elle l'attrape. Ah, et qu'elle, marche et qu'elle se lance sur le tonneau. Attrape le trapèze, elle lance-toi sur le tonneau. Voilà, et des petits pas. Des petits pas. Elle se tient bien au tonneau. Je peux. Elle se tient bien au tonneau. Il faut que je me lance. Enfin, au trapèze, pardon. Et elle fait des petits pas sur le tonneau. Des petits pas sur le tonneau. Ne répète pas mes bêtises. Des petits pas, des petits pas. Qu'elle mette son corps légèrement en avant, peut-être pour trouver l'équilibre. Mets ton corps un peu en avant pour trouver l'équilibre. C'est mort. Là, elle est trop en arrière, du coup, elle repart. T'es un peu en arrière. Elle repart au début. Essaye de trouver ton équilibre. Elle se lance vers l'avant, elle fixe bien la clé. Et après. Allez, petit pas, petit pas. Allez, allez, comme une chef là. En petite foulée. Fixe bien la clé en petite foulée, garde ton équilibre. Elle pousse plus vers l'avant. Un peu vers l'avant, ton corps. Les snowboarders, c'est une position que vous connaissez, je vais peut-être la conseiller. Lance ta tête en avant un peu. Allez, Rachel, fixez la clé. Droit devant. Droit devant et... Elle tourne sur elle-même, elle retourne au tout début. Elle peut positionner éventuellement le poignet si ça peut l'aider. Hein. Elle peut toucher le sol et se relancer. Lance-toi avec les pieds, là. Allez, et tu regardes la clé et tu fonces dessus. Elle a encore un allez, c'est bien ça. Allez Rachel, allez, c'est bien ça. T'as la moitié du temps. Ça marche pas. T'as encore la moitié du temps, Rachel. Là, le tonneau est pas du tout dans l'axe. Ça peut peut-être le repositionner éventuellement. Remets le tonneau droit dans l'axe, si tu peux. Fixe la clé. Allez, avec ses pieds, qu'elle tente. Voilà. Le tonneau. Elle essaye de le retourner. Remets le tonneau droit avec ton pied. Pousse d'un pied. Aïe, aïe, aïe. C'est crois dur comme fer. Allez, lâche rien. Allez, Rachel. Tu peux le faire. Allez, vas-y. Elle est plus très loin de la clé. Allez, t'es presque. On surveille avec les cidres. Allez, des petits pas. Elle est tout prête. Tu peux la voir, Rachel. Allez, t'es tout prête. Allez, tu mets du jus là. Allez, à fond, on y met du jus. Attention au temps. Enfin, arrive qu'elle sorte. Encore. Un dernier coup. Oh là là. C'est bien, Rachel, tu t'es bien battue. C'est dommage. C'est il te restait pas beaucoup. Non, pas beaucoup je sais, de mais le problème, c'est que le tonneau il se tournait. Et puis après, ça me repartait en arrière. Parce que tu pouvais tout à fait descendre, hein, repositionner le tonneau. On peut crier à travers la porte, je sais que c'est pas évident à l'intérieur. En fait, je croyais que je n'avais pas le droit de toucher par terre. Mais non, je te disais, tu peux tout à fait toucher par terre. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Combien on a de clés, nous? C'est toujours mieux que rien. Je vous rappelle qu'il en faut au moins 5 pour que la porte s'entrouve. Donc on y va. C'est parti.